Le bonheur a-t-il une définition universelle? C'est une chose que tout individu ou être vivant recherche. Chacun d'entre nous avons une définition différente de ce qu'est le bonheur. Nos vies, nos origines et nos envies sont elles aussi différentes et nous permettent d'avoir des rêves qui nous sont propres. Mon métier m'a permis de voyager dans de nombreux pays du monde. Chacun d'entre eux m'ont appris des choses différentes, que ce soit en rapport avec la nature, les animaux, les humains ou même encore avec moi-même. Le voyage nous permet de comprendre nos réels besoins, de nous ressourcer, mais aussi de découvrir la vraie définition de certains mots. Madagascar était pour moi une destination inconnue. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Les préjugés hantent notre quotidien, mais j'avais ce besoin de me créer ma propre opinion sur un pays que nous avons défini de pauvre. D'où ma question, le mot richesse rime-t-il nécessairement avec argent? Encore une question et une réponse que j'ai souhaité trouver lors de ce voyage. Mais pour cela, j'avais besoin de voyager d'une certaine manière. Madagascar est connu comme beaucoup d'endroits dans le monde pour ses paysages uniques, comme ses plages de sable blanc paradisiaques. Un petit paradis sur Terre qui renferme des ressources extraordinaires. Une des raisons pour laquelle nous voyageons, pour découvrir de tels endroits. Mais je souhaitais aller plus loin et découvrir la vraie vie cachée de ce pays. C'est donc avec l'aide de Maya Expédition, une agence locale créée par Santach et Stéphane, que nous avons pu explorer des endroits méconnus de l'île. J'étais conscient que ce voyage serait différent de tous ceux que j'avais pu faire, et avant toute chose, j'avais ce besoin d'en savoir plus sur tout ce que j'entendais de négatif à propos de ce pays. Dans une époque où l'écologie est au cœur de tous les sujets, Madagascar fait aussi face à de nombreuses critiques concernant ce problème. Les forêts sont ravagées par les habitants. Des milliers d'hectares partent en fumée chaque jour. Pourquoi font-ils cela? Sont-ils conscients de l'incidence de ces actes? Le bois brûlé permet d'avoir du charbon, qui pour eux est une matière vitale, qui leur permet donc de se chauffer et faire la cuisine. La question des priorités est alors posée. Chaque individu a ses propres contraintes et doit en premier temps subvenir à ses besoins naturels qui lui permettent de survivre. L'écologie est-elle alors une priorité dans certains cas? La nature a ses propres limites et ne pourra pas indéfiniment renaître après chaque incendie. Une chose que les populations ne savent pas. Ce manque de savoir est aussi lié à un des plus gros problèmes de l'île. L'éducation. Même s'il existe des écoles publiques, rien n'est jamais gratuit. La plupart des malgaches ne peuvent se permettre financièrement d'aller plus loin que le collège. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre eux ne sont pas sensibilisés à certaines causes et n'ont pas les connaissances nécessaires pour avancer dans des domaines comme l'écologie. Cependant, il existe quelque chose de plus puissant, qui empêche le peuple malgache d'avancer. Pour de nombreuses raisons, un malgache est lié à ses ancêtres via de vieilles coutumes qui pour eux les aident à survivre et se sentir en sécurité. Mais ces coutumes les poussent parfois à ne pas évoluer dans certains domaines. Ils souhaitent conserver la même façon de vivre et travailler que leurs ancêtres. Ceci permet de préserver un savoir-faire unique, qui est important, mais ne leur donne pas accès à une certaine technologie et sécurité. Notre voyage nous a fait découvrir de nombreux malgaches qui refusaient de changer leurs coutumes. La coutume les pousse parfois même à aller encore plus loin et prendre des risques sur leur propre survie. Mais ces croyances permettent de leur apporter cet espoir et cette sécurité dont ils ont besoin. Je savais que la plus grande misère de Madagascar se cachait dans des grandes villes comme Tana. Une misère que l'on retrouve à différentes échelles, dans toutes les grandes villes du monde. Mais j'étais persuadé qu'il existait aussi des endroits où cette pauvreté avait un autre sens. Je voulais savoir si le mot pauvreté, comme nous l'entendons, pouvait être lié au mot bonheur. Je voulais découvrir des villages et rencontrer des locaux qui pourraient m'expliquer ce qu'est la vraie définition du bonheur. Nous avons donc vécu ce voyage à deux. Pendant près de 15 jours, nous avons exploré une partie de Madagascar que nous n'avons pas l'habitude de voir. Chaque moment et chaque rencontre a été pour nous des aventures uniques. Il est donc temps de vous embarquer dans ce voyage et de partager avec vous toutes nos expériences inoubliables dans ce documentaire intitulé « Madagascar, un monde caché ». Notre aventure a commencé par une traversée rapide de la ville d'Antananarivo, que l'on appelle aussi Tana, la capitale de Madagascar.
Notre but n'était pas de s'attarder dans les grandes villes du pays, mais d'aller directement au cœur de ce que l'on recherchait. C'est la raison pour laquelle nous sommes partis en direction du premier village. Le guide local nous a alors initiés aux coutumes et aux origines du pays. Des leçons très importantes qui nous ont permis de comprendre pas mal de choses tout au long de notre voyage et d'adopter le bon comportement pour aborder les habitants. Comme tous mes voyages, j'ai toujours cette crainte que l'appareil photo puisse les effrayer. Chaque pays est différent concernant l'approche de leur image. Il était important de ne pas tomber dans le voyeurisme, mais plus dans un vrai partage entre eux et moi. Chaque personne que nous croisions nous saluait avec un grand sourire. Les enfants sont souvent plus faciles à approcher. Mais parfois, certains d'entre eux peuvent être aussi simplement timides ou bien réticents à l'idée de voir une caméra. Pour certains, c'était peut-être la première fois qu'ils voient une caméra. Il est donc important d'aller à leur rencontre en leur montrant que nous sommes là pour échanger avec eux. Il nous a fallu quelques secondes pour que cet instant de protection puisse donner place au jeu. Il est primordial que ce soit eux qui décident de venir vers nous et pas l'inverse. Ici, ni eux ni moi pouvions communiquer ensemble par la parole. Car à Madagascar, même si le français est la deuxième langue, il n'est pas parlé par tous. C'est simplement cet échange de sourires entre nous qui a permis aux enfants de se sentir en sécurité. Les enfants sont alors venus d'eux-mêmes, jouer avec la caméra et échanger des grands sourires. J'ai immédiatement senti que ce voyage allait être différent et que les rencontres ne faisaient que commencer quand les enfants nous ont invités à jouer au foot avec eux. Et là, c'est le stade de foot. Et le ballon. Ici, nous ont expliqué en fait qu'ils font des ballons avec des sacs plastiques. Et franchement, ça fonctionne super bien. Là, on va faire un Polaroid. Ouais. Comme ça, au moins, ils vont pouvoir regarder la photo parce que sinon, ils n'auront pas de souvenir de tout ça. 1, 2, 3. Regardez. Là on voit vraiment la photo qui apparaît. Viens, viens voir. Ah ouais. C'est génial. Et ça, je pense que c'est le meilleur souvenir que tu peux leur offrir. Ça, c'est des choses qui n'ont pas de prix. Enfin, bon, pour moi, ça n'a pas de prix. Donc, c'est vraiment génial, quoi. Moi, j'ai ma photo ici et eux, ils ont leur photo aussi. Le lendemain, nous avions décidé de nous lever tôt, à 4h du matin, afin de pouvoir observer le lever du soleil sur les rizières. Et nous n'étions pas déçus du spectacle. Programme de la journée, qu'est-ce qu'on a ? Là, l'idée, c'est petit-déj quand même, parce qu'il est que 6h. Quand même. Et puis après, on part voir un village de forgerons, ouais. Finir par une tisserande, des soyeuses avec des vieux métiers à tisser, et retour au village. Parfait. Bah, je crois qu'on va encore voir des locaux, ça va être top. Donc, à tout. Après la visite du premier village, nous ne pouvions pas nous arrêter là. Stéphane a décidé de nous faire découvrir une famille de forgerons pour nous expliquer leur métier et leurs coutumes. Une rencontre particulière avec le père et la mère ainsi que les enfants du village. Le père nous a expliqué qu'il est forgeron de père en fils et que son fils sera lui aussi un forgeron. Il est très important pour eux de pérenniser leurs coutumes, cependant cela les pousse parfois à refuser le progrès au dépit de leur sécurité. Il n'en empêche pas qu'ils semblent être heureux. Et c'est ce que Santatch leur a demandé. Je ne voulais pas avoir un a priori de ce que je voyais,
mais qu'ils nous disent eux-mêmes ce qu'ils ressentaient. Là, il nous a donné en fait du tabac, et là, il vient de faire, en fait, il met, le sachet entier, il le met, sans le papier, il le met derrière la langue, en fait. Et, en fait, pour eux, c'est pareil que fumer, sauf qu'ils mangent le tabac comme ça, ils le mettent derrière la langue. Donc, c'est, je crois que c'est assez typique d'ici, ça aussi. Quand il avait 8 ans, il était très, très malade. Donc les parents ont cherché les remèdes, mais aucune solution. Et il y a une membre de la famille qui a demandé pourquoi ne pas donner du tabac. Ok. Et les parents ont donné du tabac et il était guéri. Et jusqu'à présent, il a ça la croyance. Non, okay. il prend toujours du tabac. Ah, pour être sûr de plus rien avoir. Voilà. Donc c'est peur d'eux et ça lui a ça fait des dizaines d'années. Du tabac. Voilà. Avec cette anecdote, on s'aperçoit de la puissance des coutumes et des croyances qui permettent dans certains cas d'avoir un apport bénéfique sur leur santé. Tout ceci leur permet d'entretenir cette joie de vivre que l'on voit sur leur visage. À la vue de ce qu'on a ensuite vécu avec les enfants, tout ceci s'est confirmé. Ils vont trop vite pour toi. Ah si. En plus ils sont pieds durs. Nous nous sommes rapidement rendus compte que les enfants étaient une source de bonheur et de bonne humeur incroyable. Chaque rencontre avec un enfant était pour nous un moment unique. Après ce village, nous avons découvert le métier à tisser. Encore un moment intéressant et de partage afin de voir comment les techniques de fabrication perdurent de génération en génération. Sur la route, nous nous sommes arrêtés pour regarder les rizières. Et les jeunes qui sortaient de l'école étaient intrigués à nouveau par le drone. Ils nous ont demandé quelque chose de spécial pour embêter un petit peu leur famille en pleine récolte. Ils ont dit en fait qu'ils veulent voir comment réagir les gens s'ils voient le drone. Donc ils demandent si vous pouvez envoyer le drone juste en haut des gens qui travaillent dans le champ là. C'était ça en fait leur désir. Après ce petit arrêt, nous avons repris la voiture. Le paysage était rempli de rizières. Nous nous sommes alors à nouveau arrêtés, mais cette fois-ci dans un petit village qui nous a réservé un accueil pas comme les autres. En l'espace de quelques minutes, l'ensemble des enfants du village se sont retrouvés autour de nous. À nouveau, intrigués par le matériel, mais aussi par le fait que les touristes puissent venir les voir. Il faut dire aussi que pour nous, le paysage était à couper le souffle, avec des rizières à perte de vue.
Ils viennent leur dire qu'on va faire une photo en Polaroid pour tous et ils en étaient trop contents, donc c'est parti, on va aller chercher, on va chercher le Polaroid et on va faire la photo de classe, enfin non, la photo du village quoi, on va dire, parce que là je crois qu'il y a tout le village qui est là, c'est complètement dingue, c'est incroyable ce qu'on a vécu là. Allez, on va chercher le Polaroid. Ils sont à fond. Ah, ils ont compris. Faut pas qu'ils viennent avec nous, on arrive, on va vite chercher le Polaroid. Ah, elle aussi, elle est d'accord. Bon, allez, c'est parti pour la photo de village. Ok. Hop. C'est complètement dingue. Là, on va se faire la photo. Il y a tout le village, tout le monde. Ils sont contents. Bon, là par contre, pour partager la photo, ça va être compliqué pour le village. Il y a tout le village qui est là. Tout le village. Il est en train d'expliquer qu'il faut que ça soit pour tout le monde et qu'ils essayent de la mettre dans un endroit où tout le monde pourrait la voir. Parce que je pense qu'ils n'ont pas trop des photos d'eux. Donc voilà, ça c'est cool, c'est un bon petit souvenir pour tous. C'est lors d'un voyage au Vietnam que j'ai réalisé qu'il était compliqué de pouvoir leur envoyer des photos après notre voyage. C'est là que j'ai eu l'idée du Polaroid, un moyen simple et efficace de leur laisser un souvenir instantanément. Une chose que j'ai essayé de faire à chacune de mes visites, et j'ai pu voir dans leur regard que ce petit geste les remplissait de bonheur. À savoir que beaucoup d'entre eux n'ont pas de miroir et utilisent souvent le reflet de l'eau pour se voir dedans. Ce petit cadeau nous permet alors de réellement faire un échange avec eux, exactement ce pourquoi nous sommes là. Et sur notre départ, les enfants nous ont montré la plus belle façon de nous dire au revoir. Après cette folle aventure, nous avons repris la route, dans le but de rejoindre Stéphane qui nous attendait pour traverser les rizières en vélo. Et JC est sur le point de dépasser Julien. Va-t-il y arriver? Peut-être que Julien va nous faire le coup de la danseuse. Allez Julien, faut pas te faire de... Arrête, je suis fatigué. Bon, il a pris le sac. C'est vrai. Mais bon, dedans, il n'y a que des GoPro. Ok, bon. Et deux bouteilles d'eau. Stéphane, il a dit, il n'y a que des descentes. Pour le Marseillais. Tout en images. Et bienvenue à Madagascar. Allez, Nassar. Donc là, elle récolte le riz, c'est ça ? Elle pique le riz. Elle pique le riz, après le semis, comme de la salade, elle pique. Salam Atsar Khod. Il nous demande comment ça va, quel est notre sang. Ok, hein ? Ouais, ça va bien. Merci. Salam. Le soleil. Ah mais c'est pas une casquette. C'est des petits. Là vient de s'arrêter dans un petit village et en fait on a remarqué qu'il y avait une parabole Canal Plus en haut, donc je leur ai demandé s'il y avait l'électricité. En fait non, ils ont un petit panneau solaire, alors bon c'est pas donné à tout le monde, mais bon voilà, eux ils ont ça parce qu'il n'y a pas du tout d'électricité ici dans ce village. Convertisseur et puis voilà, un peu de télé. Voilà. Ah ils sont bien, et en haut là ils sont en train de construire une église. Ça a l'air vraiment super beau. Encore une fois, on a visité une dizaine, vingtaine de villages qu'on a traversés. On disait bonjour à chaque fois, tout le monde nous disait bonjour avec le grand sourire. Voilà, ça c'était c'est typiquement ici très très agréable. Qu'est-ce que t'en penses, mon Julien ? Franchement, c'est beau. Toi aussi, il est surpris. Ouais. Première fois que tu fais un voyage comme ça ? Franchement, un voyage où vraiment, on va au cœur de la population, où on voit des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. On apprend beaucoup, hein. On se plaint beaucoup de notre quotidien alors
on se rappelle jamais le confort qu'on a par rapport à eux. Bon, on va continuer un petit peu. Et on va aller voir l'église au-dessus. Elle est super belle. Julien, en danseuse jusqu'à l'église. En danseuse jusqu'à l'église ? Ouais. Challenge. 3, 2, 1, c'est parti. Merci. Il est là. Yeah. Va-t-il y arriver ? Allez, allez, comment je suis en train de galérer aussi. Allez. Ah, et ça va. Bravo. Salam, patron. Il a dit que tu étais fort et costaud. Ah. Les locaux l'ont félicité, voilà. Yeah. Et encore une preuve comme quoi ils sont tellement gentils. Bon, on s'est dit, et si on partait un petit peu plus à l'aventure et essayons de trouver un nouveau chemin en passant par les rizières. Bon, ouais, concrètement c'est pas facile, mais en soi c'est une expérience à faire. Je vous le conseille, parce que c'est peut-être pas facile, mais au moins on a croisé des locaux qu'on n'aurait jamais croisé de notre vie, ça c'est certain. Et voilà. C'est sympa. Et voilà, encore une belle petite rencontre avec les gars qui faisaient le barrage. On leur a laissé une petite bouteille d'eau en plus, donc bah voilà, ils étaient contents. Et ils nous ont demandé si on avait du rhum, mais non, on n'en avait pas. Donc là, ça c'est le riz. Ça c'est les jeunes pousses de riz. Okay. On récupère des graines d'une saison à l'autre qu'on fait sécher. D'accord. Ça germe en les faisant, en les semant comme de la salade. Le germe va pousser comme une pousse de riz, comme ça, une jeune pousse. Après, c'est ce qu'on voit un petit peu dans les rizières très vert fluo. Et puis, ils les prennent par 3 ou 5 et ils vont les repiquer comme de la salade. D'accord. Ce qu'on a vu tout à l'heure, là. Ok. Et donc, du coup, une fois qu'il y aura du riz à maturité, il y aura comme une céréale, des graines, des épis. Qu'est-ce que c'est ça? Comme quoi, on s'amuse avec pas grand chose ici. C'est cool. Ça, c'est une graine de litchi. Une graine de litchi, un petit bâton. Et voilà. C'est les filles qui jouent à ça, elles tapent, tu vois. En fait, elles considèrent que c'est un peu leur famille, comme elles n'ont pas de poupées et autres. Ouais. Hein. Et elles tapent dessus et elles racontent des histoires pendant ce temps-là. De temps en temps, elles les font sauter. Afakamize les milalaute, kerakam levat. Elles sont timides. Elles sont timides. Même le l'ours c'est un petit peu. Là, il y a la maman. Qui est juste là. Qui allait chercher du bois. Et donc à nous de faire attention avec vous, même moi, de par mon attitude, tu vois, de ne pas trop en faire. Pour éviter de rentrer dans leur périmètre de confort. Mmh. Des fois, honnêtement, je suis gêné, quoi. Oui. Je ressens une gêne. Je me dis quand même, je me dis putain. C'est pour ça que j'ai bien aimé votre attitude d'hier, de par le jeu, passer du temps avec les gamins. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà, rien, mais rien que ça, on a joué avec eux. De poser et de jouer avec eux, bah là, il y a plein de barrières qui s'effacent. Et tu vois, comme on se disait, on a vraiment cette impression qu'on aurait envie de leur donner quelque chose autre que notre temps, comme ça, et s'intéresser à eux. Est-ce que tu penses que ce serait une bonne idée de leur donner quelque chose ou pas du tout, en fait? C'est ce que je dis à Julien, on a toujours. Moi, je suis passé par là au début. Hein. Ouais. On a cette envie. Ouais. En se disant que comme nous on est hyper matérialiste, qu'est-ce que je peux leur apporter, qu'est-ce que je peux leur donner, nos voyageurs, avant de venir, ils nous disent qu'est-ce que je peux ramener. Moi je leur réponds en toute simplicité, un bonjour à malgache, ouais. Un sourire, puis un peu de votre temps, et déjà ce sera beaucoup. 15 jours plus tard, une fois qu'on a fini un séjour tel que celui-là, ils reviennent chez nous, ou parlent bien de mail, et je dis bah voilà, vous avez rencontré pas mal de gens, de structures. Si l'envie, si vraiment vous êtes toujours envieux de participer, de partager, nous, on vous met en relation avec des structures qu'on a réellement besoin. Cette sortie en vélo était un bon moyen de se ressourcer et de prendre le temps de discuter avec Stéphane de tout ce qu'on avait déjà pu vivre et voir en l'espace de quelques jours. Bien entendu, ce n'était que le début, mais il était primordial de continuer à visiter avec l'esprit du voyage solidaire. Pour cela, Mahé Expédition nous a réservé une expérience particulière, celle de vivre chez l'habitant.
Nous avons donc été invités chez Monique et son mari, qui vivent au cœur d'un village à côté du parc national d'Andasibé. Mais avant de faire leur connaissance, nous sommes allés dans ce parc à la recherche des fameux lémuriens. Le lémurien est l'animal emblématique de Madagascar, et il en existe plusieurs espèces bien différentes. Ici, ils vivent en toute liberté avec d'autres animaux. Connaissant ma passion pour les animaux, ils savaient à quel point je rêvais d'en voir. Nous sommes donc partis en pleine forêt avec un guide spécialisé et nous n'avons pas tardé à en croiser. Les lémuriens sont protégés et ce parc national permet à toutes ces espèces de vivre en toute tranquillité. Ce fut donc une belle expérience de pouvoir s'enfoncer dans ce parc à la découverte de la nature. Outre les lémuriens, nous avons pu aussi observer d'autres espèces, comme des grenouilles, un scarabée girafe ou même de belles araignées, mais aussi un boa par exemple. C'était pour moi la première fois que je m'approchais d'aussi près d'un reptile comme celui-ci. Lors de la visite d'un autre parc, nous avons aussi eu la chance de pouvoir voir de nombreux caméléons et des grenouilles. Une vraie merveille de la nature, de voir à quel point ces espèces peuvent être aussi différentes de par leur couleur, mais aussi grâce à leur camouflage. Des espèces très intéressantes à observer. On est allé découvrir trois espèces de lémuriens, on a eu la chance de les voir. On a vu des grenouilles, on a vu un serpent, un boa aussi, pas mal de choses. Donc là, il pleut, on a passé quand même une petite heure sous la pluie, mais ça fait du bien, il fait bon. Et maintenant, on va voir un peu la prochaine étape du voyage. Après ce superbe périple sous la pluie, nous sommes donc allés à la rencontre de Monique et son mari. Ils nous ont fait découvrir leur maison et leurs amis. Nous avons aussi retrouvé tout le reste du groupe, Stéphane et sa famille, et Santach qui nous attendait sur place. On a alors pu voir comment vivent les locaux dans leur maison et comment ils cuisinent. Ici, ce sont donc les femmes qui s'occupent de la cuisine, et tout est fait au charbon. Même le fer à repasser fonctionne avec du charbon, et c'est efficace. On a bien entendu mangé local, même s'ils nous ont fait la surprise de nous cuisiner quelques pâtes. Monique nous a alors expliqué comment la cuisine fonctionne. Puis, nous nous sommes donc tous réunis pour parler avec elle de sa vie et comprendre tout ce que l'on a pu vivre et voir depuis le début de notre voyage. Son mari en a même profité pour nous montrer son appareil photo, alors je n'ai pas eu le choix d'immortaliser un portrait pour lui. Ensuite, nous nous sommes mis à table et avons partagé un moment tous ensemble avant d'aller se coucher. Le lendemain, Monique nous a alors expliqué toutes les étapes de la récolte du riz, mais nous a aussi initié à l'étape finale qui consiste à piler le riz dans le but d'enlever toutes les coquilles autour de la graine avant de pouvoir le faire cuire. Une technique très précise et assez physique que l'on répète plusieurs fois avant d'arriver au résultat parfait. J'ai donc moi-même essayé, et il faut dire que c'est un vrai coup à prendre et physiquement loin d'être de tout repos. C'est grâce à des moments de vie comme cela que l'on comprend mieux le travail qui se cache derrière certains de nos produits au quotidien. Surtout que ceci n'est que l'étape finale avant la cuisson. Ensuite, on a répété les mêmes gestes pour le café. Le concept est le même, moudre la matière première au maximum avant de pouvoir la consommer. C'est donc ce que Monique nous a servi ensuite au repas avant de découvrir le centre du village.
Alors tu vas leur offrir un petit tour en aérien? Bah là je crois qu'il y a beaucoup de monde. Ils savent pas trop encore mais là on va faire un petit coup de drone et je pense que ça va attirer du monde. Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, oui. Ouais. Ça c'est sûr. Hein. Ah, ça c'est sûr et même les autres là vont venir. Après de telles rencontres, il était dur pour nous de repartir sans passer la soirée avec la famille au complet chez Monique. Ils nous ont donc invités pour le dîner et pour une soirée en musique. Ce sont dans des moments pareils que l'on se rend compte de la gentillesse des Malgaches. Les rencontres dans les villages nous ont déjà prouvé à quel point ce pays est accueillant. Les gens sont souriants et ouverts à nous faire découvrir leurs coutumes, leur façon de vivre et de travailler. Ce fut donc un immense plaisir d'être au plus proche d'une famille malgache pour comprendre leur quotidien. Après la grande ville de Tana et les villages aux alentours, nous souhaitions aller encore plus loin et découvrir les villages les plus lointains des villes. Mais après toutes ces aventures avec les enfants, j'avais ce sentiment que l'on pouvait leur donner plus. Je souhaitais alors acheter des jouets afin de pouvoir les partager avec les prochains enfants que nous croiserons. Sur notre route, nous avons trouvé une petite ville qui semblait avoir tout ce dont j'avais besoin. Nous sommes donc rentrés dans un magasin de jouets avec notre guide afin de voir avec lui les réels besoins que ces enfants pouvaient avoir. Il était donc très important de focaliser sur des jouets durables et qui permettent aussi de jouer à plusieurs. Nous avons donc choisi des cordes à sauter, des billes, des ballons en cuir et des vernis à ongles, car j'avais remarqué que les filles aimaient beaucoup cela. Un geste simple qui, je le sentais, allait nous faire vivre quelques leçons de vie incroyables pour la suite du voyage. Nous voilà donc en route pour le canal des Pangalan, là où nous attend sûrement une des plus folles et inoubliables expériences de notre voyage. Mais avant ça, notre parcours nous amène à faire un stop dans une petite ville afin d'acheter quelques fruits et légumes pour le village. Car là où nous allons, la plupart des aliments qui nous semblent faciles à trouver le sont beaucoup moins pour eux. Après ce petit arrêt, nous reprenons alors la route pendant environ une heure, avant d'arriver à l'embranchement où nous devions changer de voiture et opter pour quelque chose de plus adapté à la route que nous allions prendre. Et voilà, on vient de faire 2 heures voire 3 heures de route avec la voiture ici, le petit van, et maintenant on va changer. On va dans un autre van et ensuite on va prendre un petit bateau. Vous allez voir, donc c'est parti. Ciao, ciao, ciao. Bonne route. Bon, on est parti pour 7 km et on vous a dit que ça allait durer à peu près une heure pour faire juste 7 km. Parce que la route a l'air bien. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Allez, je vais escalader. On bouge pas trop là.
s'accrocher, les gars. Ouais, ouais, on s'accroche. Ok, Et voilà, après 7 km de folie, on vient d'arriver en fait sur une plage. Et derrière nous, c'est ni la mer ni l'océan, c'est un lac en fait. Et on a quand même une plage de sable fin, donc c'est vraiment très très joli. Il pleut malheureusement, mais bon, on va pas vraiment avoir le temps de profiter de cet endroit. Ensuite, on va juste déjeuner ici et on va prendre après le bateau qui est juste derrière moi là. Et on va aller donc sur l'autre étape et vous allez voir, vous allez découvrir un petit peu ces lieux et ça va être vraiment fantastique. Nous voilà en route sur le canal des Pangalanes avec notre guide Nola qui va nous accompagner pendant les deux prochains jours et nous accueillir chez lui dans son village. J'avais l'impression de me retrouver en plein milieu de l'Amazonie, des décors exotiques et les premières rencontres qui arrivent. J'avais comme une impression que ce que nous allions vivre ici allait changer beaucoup de choses pour la suite du voyage. Après 2 heures de bateau, on aperçoit alors le fameux village. Je voyais déjà les enfants jouer au football. Il me tardait de les rejoindre et jouer avec eux. Donc là, on va vivre vraiment dans leur vie et j'ai hâte de découvrir ça. Il faut vraiment mettre comme ça, combiner, toujours mettre comme ça en dessous, comme ça quand vous sortez, pour que là c'est la période, tu vois, des petites pépettes et tout ça, donc la nuit il faut vraiment bien secouer avant de voir. C'est trop bien. Donc voilà votre chambre à vous deux. Wow. Franchement, je pensais vraiment pas que ça allait être confort comme ça. Non? Ah, franchement, c'est... ça a son charme, moi j'aime bien. Made me feel like there was no tomorrow. Should have told you that you're beautiful. But the days pass and now it's so long ago. Alors là, on est allé découvrir les petits qu'il y avait juste à côté au village. Et je leur ai demandé en fait s'ils avaient un ballon pour jouer au foot avec eux. Et ils m'ont dit oui, ballon, mais pas là. Quoi, ils n'ont pas de ballon là sur eux. Donc, on leur a amené un petit ballon. Et voilà, donc maintenant, on va aller jouer avec eux. C'est parti. Did you make it? Did you break free? Did you manage to be who you wanna be? Maybe someday you think about it too. I wonder where are you now? I love my little
Et voilà, on vient de passer un moment de folie avec tous les petits derrière. Et après, on leur a offert donc le ballon, on a joué au foot avec eux. Et on leur a offert aussi des cordes à sauter, un petit vernis à ongles, plein de trucs. Et qui fait que bah, maintenant, regardez, ils s'éclatent tous ensemble. Enfin, ils sont plus ou moins séparés, on va dire. Les garçons d'un côté avec le ballon, les filles derrière avec la corde à sauter et le vernis à ongles. Et voilà, comme quoi, c'est des toutes petites choses qu'on peut leur donner. Mais au moins, ils vont s'éclater. On a vu qu'ils étaient vraiment heureux. Il y a une petite fille qui veut te dire bonjour à la caméra. Regardez, ça va ? Oui. Et là, elle aussi, je lui ai fait des bateaux tout à l'heure. J'avais fait des bateaux en bambou. Elle a son bateau et elle l'a gardé dans le petit sac en plastique pour pas l'abîmer. Voilà, regardez. Il n'y a que le sourire, la bonne humeur. Avec ces petits, il n'y a rien d'autre. Voilà, donc après, certes, il y a certains problèmes derrière, mais ici, en tout cas, la seule chose qu'on voit pour moi, c'est la joie, la bonne humeur. Et voilà, ils sont heureux, on est heureux. Je vous assure que je suis vraiment heureux d'être là et de partager ce moment avec eux. Et voilà, c'est grandiose parce que on voit qu'ils sont heureux, tout simplement. Voilà. Et puis, on oublie tout le reste pendant au moins un petit moment. Et j'espère qu'ils pourront encore oublier certains trucs du moment où ils peuvent s'amuser avec tous ces petits jeux ou alors avec les jeux qu'ils avaient déjà ou tout simplement avec rien comme ils ont l'habitude de faire aussi. Donc voilà, c'est génial. Alors ? Vous allez me dire qu'ils sont pas heureux, hein? Voilà, donc ça c'est magique, ça a pas de prix, Il m'en a fallu peu pour comprendre à quel point ces enfants étaient fantastiques. Cette joie de vivre et tout le bonheur qu'ils peuvent transmettre m'a touché au plus profond de moi. Et ceci n'était que le début d'une aventure avec eux. Et là, on est juste à côté du village, à une dizaine de mètres, et il y a l'océan. Alors ici, ils ne se baignent pas parce qu'il m'a expliqué que le courant était trop fort. Donc voilà. Mais les enfants respectent, ils sont là, et ils ne vont pas se baigner, ils font attention.
Bon, il est 4h30 du matin. On s'est levé il y a à peu près 10 minutes. Il est venu nous chercher dans le petit bungalow pour nous dire qu'il y avait des pêcheurs en fait juste devant, parce qu'on voulait vraiment filmer, photographier les pêcheurs qui vont partir en mer. C'est dur. On a une nuit un peu mouvementée. Hein. Petit scorpion, des trucs un peu bizarres dans la chambre. On a dormi habillé complètement. Julien avec tout. Il a dormi avec les chaussures, le kawaii. Il a dormi au potager, le réveil. J'avais mis le réveil et tout. Il est venu nous réveiller juste avant. Bon, regardez comme c'est magnifique. C'est parti. Bon, revenons un petit peu sur la nuit qu'on a passée. Alors, Julien m'a dit qu'il a mal au dos. Parce qu'en fait, il y avait un matelas. Et sauf que le matelas, il était très mou. Il m'a dit qu'il a dormi, c'est comme s'il avait dormi en fait sur une palette avec le matelas sous les bras. Ton meilleur ami, le Doliprane, ça va me sauver la mise. Ah ouais. Si vous n'en doit aller, y'a les ailes, n'en pitale, ou l'a minaï. Si l'ingénai m'a toi sa haï, mitaraï, funte Et on vient de réaliser aussi une petite chose, c'est que bah on s'est dit voilà, aujourd'hui on s'est levé tôt, c'est pas facile, on est fatigué, on a mal dormi, etc. Et en fait on réalise quand même que bah nous là on est quand même juste encore sur la plage et que bah ces gars en mer, ils sont là depuis 4h du matin, peut-être levés à 3h, et vont rester donc toute l'après-midi en mer. Et nous, en fait, au quotidien, on se plaint quand même moi, hein, je me le dis. Ah mince, aujourd'hui, on doit aller faire les courses. Et voilà, c'est des choses contraignantes pour nous qui nous embêtent, alors qu'en fait, on va tout simplement faire les courses et tout est prêt. On a juste à acheter, en fait. Et là, eux passent des journées et franchement c'est vraiment risqué ce qu'ils font parce qu'il y a un courant énorme, donc c'est déjà très compliqué pour y aller, pour passer ces vagues là et ensuite même revenir et passer presque la journée entière à aller chercher du poisson, et ils sont même pas sûrs parfois d'en avoir. Il nous a expliqué qu'ils peuvent revenir avec juste 1 kg de poisson qui correspond à rien du tout pour eux. Comment vous voulez qu'ils fassent vivre le village avec 1 kg de poisson? Donc voilà, c'est aussi ces genres de choses qu'on apprend ici quand on voit exactement comment ça se passe. Et voilà, on comprend réellement en fait d'où vient ce qu'on va nous chercher dans un supermarché et là où on se plaint en disant ah ben mince, on doit encore aller faire les courses. La deuxième journée a été consacrée à découvrir comment le village fonctionne au niveau scolaire. Une expérience très enrichissante quand on a pu découvrir les écoles primaires du village. Maternelle et CP. D'accord, ok. On a vu des enfants heureux d'être ici et conscients de la chance qu'ils avaient d'avoir leur propre école juste à côté de chez eux.
des enseignants très professionnels, à l'écoute de chacun des élèves. Ici encore, j'ai compris que l'on pourrait apporter notre aide pour améliorer les conditions de travail. Même si j'avais cette impression qu'ils disposaient de presque tout ce dont ils avaient besoin pour bien étudier. Outre l'éducation scolaire, c'est l'éducation de la vie de tous les jours qui m'a marqué. Des enfants polis, souriants et toujours prêts à vouloir s'amuser avec vous. On est ensuite allé faire un petit tour dans le village pour découvrir la vie au quotidien. On a pu y découvrir pas mal de choses très intéressantes, avant de reprendre le bateau pour visiter un autre village à quelques kilomètres d'ici. On vient d'arriver maintenant sur un autre village, on était à 10 minutes en bateau à peu près. Et ici sur ce village, il y a aussi une école primaire qui est juste derrière moi, mais cette fois-ci aussi un collège. Donc ça c'est vraiment la grosse différence. Et donc les habitants du premier village où on était tout à l'heure viennent ici, les enfants quand ils vont au collège viennent ici. Et là par contre, tout à l'heure ils avaient la chance d'avoir l'école pile en face de chez eux. Cette fois-ci malheureusement il y a quand même 5 km de marche à faire pour venir ici au collège. Alors ceux qui ont les moyens, ils ont une autre résidence ici, ils habitent ici, et donc les enfants habitent ici. Mais les autres qui n'ont pas malheureusement les moyens font les 5 km. Et aussi le gouvernement, avec l'aide de pas mal de gens, ont fait construire un pont qui rejoint en fait les deux parties de l'île. Enfin, c'est pas de l'île, mais pour que en fait, les enfants n'aient pas à faire un grand détour. Et donc ça leur permet de faire en soi que 5 km, sinon ils feraient beaucoup plus. Donc voilà, ici, et derrière moi, il y a aussi un dispensaire. Donc là voilà, quelque chose au niveau de la santé, ils ont quelque chose qui est sur place. Donc ça aussi c'est bien, quelque chose qu'il y avait sur l'autre village, mais que le cyclone a détruit malheureusement. Ici, il est donc parfait, et donc voilà, s'ils ont besoin aussi, ils peuvent venir de l'autre village à celui-ci pour pouvoir utiliser le dispensaire. Alors ici, petite particularité aussi, on peut voir que en fait ils ont tous un uniforme beige. Je trouve ça vraiment très très joli. Et on a pu voir en fait sur le panneau en bas que donc c'est vraiment une école qui a été officialisée, qui a été ouverte ici grâce au gouvernement et aussi grâce à des associations qui ont aidé le village à ouvrir donc ces écoles, l'école primaire et l'école le collège. Je pense que l'éducation a quand même un sens vraiment très très important. Alors il y a l'éducation scolaire, mais il y a l'éducation aussi de la vie de tous les jours. Et j'ai été très surpris de l'autre côté, parce que en fait, alors, je pense que c'est la même chose ici, on peut voir qu'ils apprennent à dire merci beaucoup, etc. Enfin tout ça, et ils le répètent, et vraiment je pense que c'est ça, c'est aussi ultra important, et c'est une chose chez nous qui est totalement perdue, on le sait, et alors qu'ici en fait elle est vraiment très très importante. Et de l'autre côté j'ai été surpris parce que quand on leur a offert les cordes à sauter, le ballon, etc., après avoir joué, ils sont revenus vers nous pour nous le redonner en pensant que, en fait, on leur avait juste prêté. Alors que chez nous, quand on donne quelque chose, quand on donne, c'est pas donner en fait, quand on passe quelque chose à un enfant,
Pour lui, c'est un dû, c'est donné, c'est à lui, voire même des fois, il va chouiner pour pas le rendre. Alors qu'ici, en fait, ils ont cette éducation qui m'a vraiment choqué dans le bon sens, où ils sont vraiment revenus vers nous pour nous redonner ça en pensant que voilà, c'était juste un prêt. Mais non, on leur a confirmé que c'était un don, que c'était pour eux, à vie, qu'ils pouvaient s'amuser avec, et ils l'ont récupéré, ils nous ont dit merci beaucoup. Et voilà, et ça, c'était vraiment fantastique. La question suivante est, qu'est-ce que ces enfants vont faire ensuite, après le primaire et le collège? Parce qu'on se pose la question de, où est le lycée? Et en fait, le lycée ici, ben, malheureusement, il n'y en a pas. Déjà, vous avez pu voir que pour les enseignantes, c'est très compliqué, parce qu'ici, ben, ce sont des femmes, tout simplement les parents des élèves, qui éduquent les enfants ici et qui les instruisent. Pourquoi aussi? Parce que ben, les personnes qui sont vraiment institutrices, instituteurs, les vrais professeurs, ne veulent pas venir ici parce qu'en soi, ben, il n'y a pas grand-chose pour vivre ici. Donc, ils préfèrent ben, vivre en ville. Et donc, c'est la raison pour laquelle ici, il manque aussi d'instituteurs parce que eh ben, pour certaines personnes, il y a ce confort qu'on n'a pas ici. Ensuite, donc pour les enfants qui veulent aller plus loin, qui veulent aller vraiment au lycée, malheureusement ici, ça va être un problème de moyens. C'est-à-dire que soit les familles ont les moyens de pouvoir envoyer leurs enfants dans certaines grandes villes qui possèdent donc des lycées et que les enfants puissent vivre là-bas, soit malheureusement les enfants seront obligés en fait de rester ici au village et de travailler au village. Alors pour les garçons, ils pourront être pêcheurs ou cultiver la terre par exemple. Pour les filles, c'est un petit peu plus compliqué. Elles pourront donc, ce qu'on nous a dit, laver le linge ou alors encore travailler dans les hôtels en tant que serveuse autour, parce qu'il y a quelques hôtels aussi un petit peu touristiques. Donc ça, c'est des choses qu'elles peuvent faire. Et on nous a expliqué aussi que ici, en fait, les filles tombent rapidement enceintes entre 14 et 15 ans et souvent d'un père inconnu. Le point positif ici, c'est que les familles soutiennent toujours les enfants, les filles, les familles avec de l'argent ou juste être en étant autour d'eux et n'abandonnent jamais leurs enfants en disant voilà, tu as eu un enfant maintenant à 14 ans, on sait pas quoi en faire, etc. Non, ils le prennent vraiment dans la famille et ça en fait vraiment partie de la famille. On n'abandonne jamais personne ici et donc ça, c'est vraiment une coutume aussi des Malgaches qui est vraiment très très importante. Derrière nous ici, nous avons pas mal d'arbres fruitiers. Il y a un petit peu de tout ici sur cette île, donc ça c'est vraiment bien. Ils sont assez autonomes à ce niveau-là. Ils sont autonomes aussi forcément au niveau du poisson, parce que vous avez pu voir qu'ils vont pêcher tous les matins, si la mer est bonne bien entendu. Seule chose qu'ils n'ont pas ici, et qui est très importante à Madagascar, pardon, c'est le riz. Et le riz ici, donc, ils font un troc donnant-donnant, c'est-à-dire qu'ils vont donner du poisson pardon, contre du riz. Nous avons ensuite visité un nouveau village. Encore une façon de voir comment ces personnes vivent tout en étant aussi loin des grandes villes. Ces visites et ces expériences sur le canal des Pangalanes ont créé en nous quelque chose de très particulier. C'est à ce moment précis que j'ai pris conscience que je ne pouvais pas simplement documenter ce que je voyais, mais aller encore plus loin en essayant de tout faire pour revenir ici. En l'espace de 2 jours, nous avons appris tellement de choses, simplement avec des regards, des sourires et des bonjours. On a découvert un monde coupé de tellement de choses qui pour moi me semblaient pauvres au premier regard, mais qui regorge de richesses que nous, occidentaux vivant dans les grandes villes, n'avons pas. J'avais cette impression que rien d'autre n'existait autour de moi, simplement eux et moi. Plus je les regardais, plus je me disais qu'ils étaient heureux de ce qu'ils avaient. Mais j'étais aussi conscient de certains de leurs besoins. Même si après tout ce qu'on a vécu, je n'ai vu que des gens heureux, on savait qu'il y avait des choses qui pourraient les aider. J'ai donc commencé à ce stade du voyage à réfléchir plus loin. Comment puis-je les aider sans changer leur mode de vie? J'ai donc eu 3 heures de bateau pour continuer à m'imprégner de leurs coutumes et réfléchir à ce que je pourrais faire après mon retour en France. Thank you.
nous voulions aussi voir une autre vision de Madagascar. Nous savions qu'il existait des plages paradisiaques, très prisées par les touristes. Il me semblait alors important de voir ce côté, pour se ressourcer, mais aussi voir comment les locaux vivaient. On a alors découvert l'île de Sainte-Marie, qui est tout simplement un paradis sur terre. Les locaux vivent de la même façon que dans les villages du canal des Pangalanes, mais disposent aussi du business du tourisme qui les aide à vivre. Les coutumes restent les mêmes et utilisent les mêmes techniques que dans les villages. Les côtes du sud et du nord de l'île sont remplies de plages de sable blanc. Nous avons eu la chance de voir certainement ce qui est une des plus belles plages de Madagascar. Il faut alors parfois aller un petit peu plus loin que là où les gens ont l'habitude d'aller pour découvrir des lieux uniques comme celui-ci. Avec Julien, nous sommes donc partis à la découverte des côtes de l'île, avec notre quad. Un bon moyen de détente qui nous a permis de se reposer tout en traversant des villages et observer des plages fantastiques. Après ces deux jours passés sur l'île de Sainte-Marie, il était temps de retourner à la réalité. On a pu goûter à ce côté touristique de Madagascar qui était aussi important de connaître, mais ce n'était pas la raison pour laquelle on était venu. La fin de notre séjour approche, et nous sommes rentrés vers la ville d'Antananarivo. Mais avant de retourner dans la capitale, on nous a réservé une autre surprise. Une petite marche avec un nouveau guide local nommé Jeannot. Je ne savais pas encore que cet homme allait être la personne la plus inspirante de notre voyage. Jeannot nous a alors fait découvrir sa maison et son petit chat qui n'avait pas de nom. On a alors décidé de l'appeler ensemble Kiki. Tout au long du voyage, j'ai pu croiser de nombreux animaux domestiques. Chez les personnes que nous avons rencontrées, comme chez Monique par exemple, ou tout simplement dans les rues. Et j'ai pu voir une population respectueuse de tous ces animaux. Jeannot nous a alors vraiment montré éprouver le côté chaleureux de cette population. Lui-même né à Madagascar, puis parti vivre pendant 20 ans en France dans la ville d'Aix-en-Provence, puis revenu vivre ici, c'était donc la personne idéale pour discuter et comprendre tout ce que j'avais pu voir tout au long de mon voyage. Il m'a confirmé ce que j'avais pu vivre et comprendre par moi-même. Madagascar est un pays compliqué, qui a du mal à avancer à cause de certaines de ses coutumes liées aux ancêtres. Il aimerait que certaines choses changent, mais prennent trop de temps selon lui. Mais outre certains problèmes, il reste confiant et convaincu que ce pays est riche. Les conditions de vie sont différentes de celles qu'il avait en France. Il a connu le confort que nous connaissons, mais il est revenu ici pour un autre confort que nous n'avons pas forcément. J'ai été ému par cette personne, et j'ai eu énormément de mal à lui dire au revoir en me disant que je ne le reverrai certainement jamais. Mais je me souviendrai toute ma vie de tout ce qu'il m'a dit, avec une profonde humilité et une très grande intelligence. Un homme simple avec qui nous avons aussi bien ri. Donc là, tu viens de réparer ta tongue ? Ouais, je répare ma tongue là, avec une épingle. Et je le fais comme ça. Là au milieu, il est paré. Là, je le descends, je le mets. Et voilà. Et voilà. Le tongue est neuf. C'est réparé. Made in Madagascar. Merci. Aujourd'hui, on va t'offrir les tongs. Oh, les... Lesquels tu veux ? Ben, 41... Même s'il avait réussi à réparer ses tongs, je savais que le geste allait lui faire plaisir. Stéphane nous a appris à faire le bon geste, utile, sans être trop matérialiste. Vous allez m'offrir des tongs ? Eh oui ! Comme ça au moins ? Nickel ! Est-ce que ça va ça ? Ah, elles ont l'air costaud celles-là en plus. Merci mon ami. Eh ben, de rien. Merci mon ami. C'est... J'ai de suite ressenti dans sa façon de nous remercier que ça le touchait énormément et que nous partagions la même joie qu'on avait de s'être rencontrés.
C'est donc avec une grande émotion que nous sommes retournés sur Antananarivo découvrir deux autres lieux incroyables. Ici, nous allons visiter un endroit très particulier juste à côté de la ville de Tana à Madagascar, qui a été créé donc par deux malgaches, Violette et Dieudonné, un couple. Et ici, en fait, le concept est assez simple. Ils recyclent en fait des objets qu'ils trouvent dans la rue, principalement du métal, et créent des œuvres d'art en créant aussi du travail avec les gens qui sont autour. Ici, vous allez voir qu'il y a à peu près plus de 150-160 personnes qui travaillent et on va commencer, on part directement voir la ferronnerie. Et là, on arrive donc maintenant dans le potager, à savoir que c'est une partie très importante de cet endroit parce que tous les gens qui travaillent ici ont accès à ce potager et mangent tous les jours ici. Donc voilà, on peut voir que c'est vraiment complet. Les gens travaillent ici, mangent ici avec la nourriture qu'ils cultivent eux-mêmes et on verra ensuite qu'il y a même une école qui est gratuite pour tous les enfants des ouvriers. Salam. Salam. On vient de voir donc maintenant les classes, à quoi elles ressemblent pour les plus grands. On a encore les plus grands qui sont dans le bâtiment juste derrière. Et ici, leur cour de récréation qui a été créée vraiment de toutes pièces ici même. Donc voilà, c'est vraiment fantastique. Et là maintenant, on va aller voir Monsieur Dieudonné, qui est donc le créateur de tout ça ici. Et on va découvrir avec lui un petit peu la poterie et qu'est-ce qu'il y a en bas à ce niveau-là. Enchanté. Merci. Et donc, il nous a dit 150 employés à peu près. Oui, 160, okay. Oui, 70% de femmes, okay. 11% de personnes en situation d'handicap. Okay. Bon, eh ben, je crois que c'est la récré. C'est l'heure d'avoir tous ces enfants. Et on peut voir qu'ils sont vraiment, vraiment heureux. Après avoir visité ce lieu incroyable, nous nous sommes dirigés vers la dernière partie de notre voyage pour découvrir une association permettant de venir en aide aux enfants en danger de la capitale.
Leur but est de suivre ces enfants jusqu'à ce qu'ils obtiennent un travail. Il y a plus de 100 enfants vivant ici et plus de 50 personnes qui travaillent dans cette association. Comment tu t'appelles ? J.C. Et toi ? Louisette. Louisette ? Et on va jouer au ballon ? On a découvert un endroit unique qui, après tout ce que j'avais vu au cours de mon voyage, m'a profondément ému. On a rencontré des enfants extraordinaires, remplis de positivité malgré tout ce qu'ils ont pu vivre. Et cela, c'est grâce à toutes ces personnes, travaillant ici, qui réalisent un travail incroyable. Je pensais émotionnellement avoir tout vécu dans ce voyage, jusqu'à ce que l'on me dise que cette association a recueilli des nouveau-nés abandonnés. Le contact avec les enfants vous fait réfléchir sur beaucoup de choses, mais je ne pensais pas être autant bouleversé par tout ce que nous avons pu vivre. Sachant ce que ces personnes étaient capables de faire pour ces enfants, c'était pour nous un soulagement de les voir démarrer leur vie dans de bonnes conditions. Mais j'ai pu voir dans le regard de chacun d'entre nous qu'il était à ce stade du voyage compliqué de se contrôler. Honnêtement, pendant tout ce voyage, on a vu que des choses positives. Quelque chose de négatif par rapport aux forêts, etc. On en a discuté, mais par rapport aux enfants, on a vu que des choses positives. Et ici, bien entendu, que c'est que du 1000% positif. Mais là, vous entendez, ils chantent la musique du petit Papa Noël. Et waouh! Sachant ce que Noël représente pour nous, j'ai du mal parce que moi, ouais, c'est compliqué. Sachant que c'est que des enfants abandonnés. C'est dur, mais à la fois ça fait chaud au cœur. De voir tout ce qu'ils font pour eux. Et ouais, c'est vraiment positif. C'est dur, désolé, mais wow. C'est de la joie, quoi. C'est de la joie. C'est vraiment beau de voir tous ces gens qui consacrent tout ce temps à eux. Et ouais. Ah, c'est dur, quoi. L'agence Mahé Expédition permet à la fin de chacun de leurs voyages de venir sur place et apporter leur aide avec du matériel que les touristes ont décidé d'acheter pour tous ces enfants. Un geste simple qui m'a fait réfléchir pour la suite de mon voyage. Cette association est vraiment un exemple à suivre et qui redonne de l'espoir non pas seulement au pays mais au monde entier. Notre séjour touche à sa fin. Cette aventure a pris un tournant que nous n'avions pas imaginé à notre arrivée. Elle fut riche en émotions et en découvertes, mais elle a surtout pu répondre à certaines de mes interrogations. Le bonheur est propre à chacun et peut s'exprimer d'autant de façons qu'il y a d'êtres humains sur Terre. Il dépend de nos rêves, de nos cultures, de nos perceptions, de nos façons de penser. Nous sommes tous responsables de notre bonheur. Et c'est l'une des leçons que je retiendrai de cette expérience. Ces personnes que nous avons rencontrées, que l'on pourrait qualifier de pauvres, m'ont prouvé que la pauvreté et la richesse ne sont pas nécessairement liées. La richesse ne se réduit pas à l'abondance de biens. Le bonheur se cache dans l'éclat de rire d'un enfant, ou dans une rencontre. Le bonheur, c'est prendre le temps d'observer la nature qui nous entoure et être conscient de la chance que nous avons. Nous sommes tous à la quête du bonheur. Vous l'aurez compris, ce bonheur varie d'une personne à l'autre et peut prendre des formes différentes. Il en est de même pour la richesse. Il n'existe pas de définition universelle pour ces deux termes. Alors, quelle définition donneriez-vous à votre propre bonheur et votre richesse ?
your promises for worse or better. The challenges of me and you, what's the point of trying to unravel? Oh, seemed like an easy rendezvous. Now I see I never knew you asked.